Alors, ce iti, eh ben, c'est pareil, je me suis fait avoir par nos amis influenceurs. Je crois que ça, c'est à cause de Papa Blender qui m'a montré ça. Enfin, qui m'a montré ça, qui a montré ça à tout le monde. Mais quand j'ai vu le truc, ben, j'ai pas pu résister. C'est un truc de malade. En fait, donc c'est un iti, donc c'est Altaïa. Vous avez, en ce moment, il y a la pub là pour les Mickey. Donc c'est Altaïa qui sort. Je ne sais pas si j'ai pris dans l'ordre. 5. Altaïa qui sort un iti haut de 60 cm. En animatronics qui bouge, qui parle, avec le cœur qui s'allume, le doigt qui s'allume. Et c'était trop, genre, je pouvais pas résister. Alors, la première fois que j'ai vu que ça sortait, je me suis dit, ça va encore coûter 600 balles, le temps de faire toute la collecte, d'arriver jusqu'au bout et tout ça. Donc, même pas, je m'y étais intéressé. Et en fait, quand j'ai vu la vidéo, je suis retourné voir quand même le site. Premier numéro, il doit pas être très cher, mais je ne sais plus le prix. En fait, c'est sur 6 mois à peu près. Et c'est 180 € à peu près en tout. Moins de 200 €. Je trouve que moins de 200 € pour un truc qui a l'air hyper quali, animatronics et tout ça, ça le fait par rapport à XR à 250 balles. Je trouve que le E.T., là, de toute façon, c'est un peu, c'est un rêve d'avoir E.T. à la maison. Et par contre, ce qui m'a fait peur, ce qui me fait toujours peur d'ailleurs, c'est qu'il faut tout monter soi-même. Donc, il est en kit, E.T. Donc, je vous montre. Donc, c'est un truc Altaïa. Ça, c'est la facture. Il n'y a même pas les prix. Ça, c'est le premier colis, je crois. Donc en fait, Altaïa, vous savez, en fait, on s'abonne à un truc et tous les... Alors c'est même pas tout... Ça, c'est un peu bizarre. C'est pas tous les 15 jours ou tous les mois ou machin, on reçoit un colis. C'est, par exemple, dans le premier colis, j'ai reçu le 1. Donc j'ai reçu un livret, j'ai reçu le 1 et j'ai reçu le 2. Donc ça, je crois que ça m'a coûté 20 balles. Après, je n'avais pas encore reçu le numéro 1 qui m'ont envoyé le numéro 2, le deuxième colis. Et donc dans le deuxième colis, les prélèvements, ils étaient assez proches du coup. Mais c'est peut-être parce que ça dépend quand on commence l'abonnement, j'en sais rien. Et dans le deuxième colis, il y a le numéro 3, le numéro 4 et le numéro 5. Du coup, ce colis-là est plus cher. Du coup, j'ai reçu un colis. 15 jours après, j'en ai reçu. Et là, ça doit faire 3 semaines ou un mois que j'ai rien reçu. Donc, c'est un petit peu particulier, je trouve. Moi, j'aurais bien aimé genre un colis tous les mois, enfin un truc un peu régulier ou un truc toutes les semaines s'ils veulent faire la semaine. Je sais pas. Je trouve ça un peu compliqué. Quand on va sur le site pour comprendre ce qu'on va payer, ce qu'on va pas payer, c'est un peu compliqué aussi. Mais bon, c'est beau en tout cas, ça a l'air très beau. Il y avait eu quelques années le Goldorak, ça donnait très envie, mais le prix de revient à la fin c'était 600 euros. C'était un peu cher. Donc voilà, donc des fascicules. Des fascicules qui racontent quoi? E.T. l'extraterrestre, nous pouvons grandir ensemble, il y a des images du film, un petit dossier sur Steven Spielberg. Évidemment. Est-ce que vous l'avez vu au cinéma, E.T.? Moi, je l'ai vu au cinéma. J'avais flippé la scène des M&M's où E.T. il est planqué dans le jardin et il y a Elliot pour le faire sortir, mais des M&M's. Et ça m'avait fait flipper à mort. Puis après, les bonhommes blancs. Moi, je croyais que c'était les bonhommes blancs, les méchants, les extraterrestres, tout ça. En fait, c'est des scientifiques, mais ça m'avait fait flipper. J'étais trop petit, je devais avoir. Bah, c'est en. Alors, ce film-là, il est sorti en 82 au Festival de Cannes, en avant-première, en France. Et ensuite, il est sorti en salle en décembre 82. Donc, décembre 82, j'avais 5 ans, 5 ans et demi. Donc, j'étais peut-être un peu petit. Du coup, bon, bah, dans les livrets, après, il y a bah, ce qu'on reçoit. Le mec qui a conçu. Donc. Comment il s'appelle? Rambaldi, c'est lui qui a conçu E.T. Et en fait, il a, si j'ai bien compris, hein,
Faudra regarder la vidéo de Papa Blender. Il a donné les. C'est lui qui a donné ses maquettes, ses plans et tout ça à Altaïa pour faire une repro des plus conformes possibles. Donc, coffret numéro 2, il y a encore un truc sur Spielberg, Indiana Jones. Et puis, la structure faciale et le montage des yeux. Voilà, donc dans les fascicules, on nous explique ce qu'il faut faire. E.T., genèse d'un chef-d'œuvre. Donc voilà, Rambaldi. Carlo Rambaldi, voilà, il nous montre ça. Et après, il nous explique que ça vient de son chat. Il a dessiné son chat pour faire la tête d'E.T. Là, il y a un truc, objectif Saturne Titan. Donc, il y a aussi la conquête de l'espace. Il y a quelqu'un qui dit l'extraterrestre de Dorothée dans l'album de 83 est sorti dû au film. Oui, en fait, alors je ne sais pas si c'est fort du succès de la chanson des Ewoks, mais ils ont voulu un petit peu refaire le même phénomène avec E.T., extraterrestre, sauf que bah, Spielberg, il n'en a pas voulu, je pense. Du coup, ils n'avaient pas les droits d'appeler ça E.T., mais c'est en tout cas ses références. Alors, il y a un courrier. Vous venez de recevoir votre premier paquet de votre collection, Montée E.T. l'extraterrestre. En tant qu'abonné, vous recevrez régulièrement à votre domicile toutes les livraisons et les cadeaux exclusifs créés spécialement pour cette collection. Ah oui, c'est vrai, il y a des cadeaux, il y a genre un sac à dos, des choses comme ça. Mais ça, je n'ai pas reçu. Si vous avez choisi l'offre premium, vous recevrez un support spécial de grande dimension qui complétera l'incroyable collection. Oui, j'ai pris le. C'était pas beaucoup plus cher avec le support. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas que vous pouvez toujours devenir abonné premium. Allez sur votre compte, blablabli, blablabla. Donc ça, c'est E.T. fini. Un petit poster, pas mal. Un courrier sur un poster, c'est une bonne idée. Bon, bah après des fascicules, je ne vais pas tous vous faire les fascicules. Base lumineuse de 50 cm, voilà. À partir de 1,50 €, donc ça c'est le premier. Ah, attendez, ça se déplie ça. Ah oui, les cadeaux exclusifs pour les abonnés. Alors, un t-shirt, des images, un carnet, un mug, un parapluie, une plaque métallique. Eh, ça va être sympa. Voilà, c'est pour 180 balles. Je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Ah, bah, c'est le poster. Ouais, par contre, il est déjà un peu déchiré. Il est déjà un peu abîmé à la pliure, je crois. Poster de E.T. Les frères de l'espace, DJ, vous souhaitent une bonne soirée et longue vie aux années récré et aux frérots de DJ Simon. Bonne nuit, DJ Kamel. Bonne nuit, les frérots de l'espace. Et puis, on se retrouve bientôt pour un live spécial avec toute la famille des frérots de l'espace. En février ou mars, on organise. Je ne sais pas du tout. Anne-Claire. E.T. me faisait flipper aussi. J'ai mis du temps à le regarder. À 6 ans, c'est normal. C'est comme Thriller de Michael Jackson. Oui, complètement. Thriller, c'est encore même plus flippant. Comment trouves-tu le montant final? Bah, en fait, quand on va sur Altaïa, il t'explique. Premier coffret, ça va coûter tant. Deuxième envoi, ça va coûter tant. Troisième envoi, ça va coûter tant. Nanana. T'additionnes. Et je suis arrivé. Ouais, je crois que c'est entre 160 ou 170 € le tout. Mes parents m'ont dit que j'avais été conçu le jour où ils sont allés voir à Rencontre du troisième type en 78. Après, il te faut Alf. Ah ouais, un animatronics de Alf qui mange des chats. C'est une bonne idée. Ouh, un petit chat. Est-ce qu'il fait tire mon doigt? Il fait pas tire mon doigt, mais le doigt il s'allume. Alors, du coup.
Alors, je m'étais dit que je pourrais peut-être le monter en même temps avec vous, mais pareil, il va me falloir une table. Parce que là, du coup, il y a les... Donc, là, il y a le visage. Ça, je vais peut-être l'ouvrir, il n'y a que le visage. On l'ouvre. Faut garder les blisters, non, on s'en fout, hein, parce qu'une fois qu'il sera monté. Ouais, ma mère a vu un alien avant que je naisse. Ah bon? Avant que tu naisses, est-ce que tu es sûr que faut faire un test de paternité? Je peux pas l'ouvrir comme ça. Il faudra, je vais prendre un cutter. Bon, et là, je vais juste vous montrer comme ça, et puis je referai une vidéo avec le Iti et une vidéo avec le Morax, si vous voulez. Donc, un masque de... Ça, c'était le premier colis. Un masque de Iti. Donc, les yeux. Vous voyez les pupilles. Donc, il faut monter ça à l'intérieur. Et puis après... J'ai jamais fait de maquette et tout ça. Là, il y a carrément du... Alors, par contre, c'est vachement bien, c'est qu'ils mettent le tournevis. Au cas où on n'a pas ce qu'il faut. Là, on est sur du petit boîtier à piles. Ça ressemble, ouais, un petit boîtier à piles. Là, il y a carrément des petites fiches de connexion. Des mini-vis. Le doigt, donc. Le fameux doigt. Donc, j'imagine qu'en fait, après, là, il y a un tube là, qui va aller dans le doigt, j'imagine. Et il va falloir mettre des trucs avec des lumières et tout, des LED et tout. Moi, je suis pas trop. C'est pas forcément ma came, mais bon, on va essayer. Et ça, les sourcils, ou les... non, les paupières. Paupières, tatata. Et puis là, encore de. Bon, ça, je vous avoue que c'est un truc qui m'a fait un petit peu hésiter hein, d'acheter le truc. Après, je me suis dit, bon, c'est quand même une grosse marque. Et ils vont pas faire un truc que personne ne peut construire. Ça doit être adapté quand même à nos âges. Et du coup, ça peut être hyper sympa. Par contre, du coup, je ne sais pas s'il vaut mieux commencer maintenant, petit à petit, ou tout faire d'un coup, parce que là, je vais me retrouver avec une tête. Je me retrouve avec une tête et un doigt. Donc ça, je ne sais pas trop. Personne là parmi vous, vous avez commencé le montage ou pas? Voilà, en tout cas, c'est cool, un Iti de 60 cm. Bon, alors, ce n'est pas la taille réelle de Iti, mais ça doit être pas mal. Je vais avoir du travail, oui. Ah, il y a un Facebook user. J'ai pas votre nom, hein, je suis désolé. Je trouve 250 euros. Bon, ben peut-être que j'ai mal. Ou alors c'est peut-être c'est 180 sans le support spécial premium et 250 avec le support. Ou alors j'ai mal compté, ce qui est fort possible.